Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement faire le Yeti 10. Alors pour la vidéo je serai avec un stuff Yeti, mais la liste que je vous montre et les astuces que je vais vous expliquer, c'est pour du double stuff Kraken Epic. Donc de mon côté j'ai ce stuff là. Alors pour y aller en double stuff Kraken Epic, je vous conseille de tourner plutôt tous les deux à un stuff de level 10. Ce sera beaucoup mieux. Là, moi, je n'ai pas réellement besoin, puisque du coup, le gars à côté va pouvoir compenser tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vous donne toutes les astuces en même temps pour les joueurs Kraken Epic. Et donc, on va se retrouver au Yeti. Voilà, on se retrouve du coup au Yeti. Alors, donc, je rappelle toutes les astuces que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est surtout pour du double stuff Kraken. Alors, il y a peut-être des moments où, à force de parler, je vais mourir, c'est possible, hein. C'est vrai que je peux me permettre 2-3 erreurs, puisque comme je le rappelle, la personne avec qui je suis, voilà, a un stuff Yeti. Donc de toute façon, je vous affiche les stuffs avec lesquels on joue en haut à droite, comme d'habitude. Ça change pas de là-dessus. Alors, du coup, en double Kraken, vous avez vu la tête un peu de la liste. Il va y avoir une personne qui va devoir s'occuper, pardon, de tous les monstres. Donc la personne qui aura du coup le perso avec attaque mortelle. Et l'autre personne. Et bien tout simplement à venir garder en fait contenir le boss. Donc là dans l'exemple vous avez vu du coup le fait qu'il est gel avec le Yeti, ça change un peu tout, mais le but reste le même. Par exemple sur Lifestealer, voilà, il vient tout simplement sur le boss et il vient prendre aucun dégât. Parce que du coup avec la régène, voilà, ça suffit amplement. Donc c'est le même principe déjà pour cette vague 1. Vous verrez avec le reste, pareil, donc il y a 2-3 persos qui va changer, mais prenez ceux de la liste, c'est juste du coup pour qu'on optimise là, dans le cas échéant, puisque lui, il a déjà du gel, donc il y a 2-3 trucs qui peuvent se permettre de changer tout simplement. N'oubliez pas de bien sortir le Yeti de sa zone, évidemment. Et voilà, petit level 1 de fini. Donc le level 1, il n'y a pas non plus de miracle. Alors du coup, voilà, maintenant c'est moi qui prends Lifestealer. Alors, du coup, ça va être à moi de contenir tout simplement le boss. Hop, on va essayer de faire attention à pas mourir, tout simplement. Et donc, on va lui ramener tous les monstres. Hop, on régène un peu de vie quand même. Voilà. Essayez de venir en chercher le plus possible, même dans les embranchures. Donc, c'est évidemment pas le plus facile. Donc, essayez quand même d'aller pas trop vite, puisque du coup, faut que votre pote suive en fait le rythme. Hop. Donc, il faut que tout arrive d'un coup. Donc, évidemment, avec le stuff en Kraken, ça va être plus facile par contre de tuer les monstres. Parce que tout simplement, vous allez avoir les tentacules qui vont vous aider. Et du coup, c'est très différent. Alors, vous avez vu là, ma régène ne suffit même pas pour les plus gros, donc ça va être un peu galère. Alors là, par contre, je risque de mourir. Ok, non, ça passe. Très très chaud. Alors, hop, je vais essayer de rejoindre du coup mon pote en haut sans mourir. Donc à la base, je rappelle, hein, vous pouvez pas le rejoindre. C'est vous qui allez en premier, puisque c'est vous qui est censé prendre tous les dégâts. Là, vu que du coup il peut le gel, c'est un peu différent, mais voilà. Retenez bien qu'à la base, c'est le Lifestealer qui est censé rester devant le boss. Moi, vous voyez, il y a de grandes chances qu'il ne suffit pas niveau régène, puisque du coup il vous faut 15 niveaux hein, environ, donc c'est équivalent à 2 tours. 2 tours de jeu. Nous, level 12, 12-13, ça suffit largement, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, là-bas je suis censé rester dans le boss comme ça. Et du coup, mon pote vient le taper. Voilà, juste là, la régène ne suffit absolument pas. Alors, en 3, pardon, on est sur du mec. Donc, mec avec les tentacules peut sembler très nul. Mais du coup, ça va être toutes les tentacules qui vont venir tuer les monstres. Donc, votre pote a Vlad. Et du coup, ça va être lui de contenir tout simplement le boss. Bon, alors j'ai pas pris pas mal de dégâts, donc le fait que j'ai tout simplement une vitesse de déplacement très faible,
Évidemment, je prends plus de coups que la normale. C'est aussi pour ça que du coup, c'est important d'avoir un stuff, comme je vous l'ai dit, environ niveau 10. Voilà. Alors, j'essaye de pas aller trop vite encore une fois. Histoire que il ait le temps de faire son tour tranquillement. Et moi aussi, j'ai le temps de faire mon tour tranquillement. Alors, j'ai pas eu encore de siège rapide. Ok, donc là, par exemple, ça va suffire. On est environ level 11-12. Ok, c'est nickel. Donc, vous voyez, dans les coins comme ça, c'est pas mal. Parce que souvent, c'est pas gelé. C'est très pratique. Vous n'êtes pas loin de la sortie. Ça sert à rien d'aller au milieu. Alors, on va augmenter un peu le son. Voilà. Vous voyez, là, j'arrive à faire autant de dégâts que lui. Donc c'est normal, hein. Évidemment, ce sera un tout petit peu plus long quand même en Kraken. Allez. Donc vous aurez évidemment d'autres compositions que je ferai par la suite pour le niveau 15 et le niveau 20. Alors, et au bout d'un moment, je ferai sans doute les compos très speed. Donc là, on va quand même aller rapidement. Hop. Du coup, moi, je pars sur Mad. Voilà. Donc pareil, le nombre de tours va être identique. Vous pouvez même faire un peu moins avec Mad. Alors, hop, je peux pas tuer de monstre là, donc faut que je fasse gaffe aussi. Je le répète, hein, mais la vitesse de déplacement est vraiment très importante pour esquiver les monstres. Donc là, hop. Vitesse d'attaque, j'en ai eu pas mal, c'est ce qu'il va nous falloir. Alors là, voilà, notre pote fonce dans le tas. Et ensuite, on va venir. Ok. Bon, j'ai pris un coup de trop. Hop. J'ai pris un coup de trop, ouais, malheureusement. Ça peut arriver. J'ai pas forcément non plus masse PV. Hop, on va se dépêcher de rejoindre en haut. Alors. J'espère que je ne vais pas arriver trop tard. Voilà. Alors, il doit être ici. Donc, le problème, c'est que voilà, j'ai tout le tas qui me suit. Allez. Donc, voilà. Et une fois que vous avez tué tout le monde, vous venez ici. Et du coup, il va rester en fait dans sa case. Voilà. Et au bout d'un moment, vous allez faire tellement de dégâts que ça va limite le one-shot. Et donc, même avec les bas levels, c'est aussi comme ça que vous pouvez farmer finalement des niveaux assez facilement. Il y a juste à faire attention à tout simplement tous les petits monstres qui vont spawner par la suite. Alors, on est sur du Vlad. Vlad qui a une très bonne régène, même si vous avez un stuff de merde un peu comme moi. Donc, il vous faudra pas beaucoup de levels pour contenir le boss. Contenir le boss et évidemment ses gels aussi. Hein. C'est important. Hop, là en plus, je suis en très speed. Donc j'ai le temps d'aller chercher un peu plus de monstres. Alors, l'autre plus bas qui a pas venu. Qui a pas voulu. Bon. Hop, on prend un petit ricochet. Là, même moi, je peux tuer des monstres. Alors, je peux pas tenir non plus tout le monde en attaque. Mais voilà, je peux tuer du monstre. Ça, c'est sûr à 100%. Faut juste que je fasse attention quand même. Alors, voilà. Vous voyez, je viens d'en contenir le plus possible. Allez. Ça va faire pas mal de monde tout ça. Voilà. Et donc là, pour nous, par exemple, ça suffit. Mais vous, je rappelle, il faut monter environ level 15. Et je fais vraiment pas mal de dégâts. Donc, je contiens au calme un peu tout le monde. Alors, pourquoi il vient pas? Voilà. Alors, il faut le sortir un tout petit peu plus de sa zone. Voilà, vous voyez. Sinon, il régène. Là c'est bon, c'est à rien d'aller ultra loin. Là par exemple, mon pote pourrait être en fait en dehors de la zone si vous voulez, pour éviter du coup tout ce qui est gel. Donc vous faites deux tours, vous allez peut-être pas vous retrouver ici. Donc vous en faites pas. Allez, je gratte quand même pas mal de petits pourcents. Et les tentacules sont pas mal vu que du coup il est à l'arrêt.
Si les pas à l'arrêt, c'est vrai qu'elles n'ont pas le temps de frapper très bien. Allez. Encore un peu de vie pour lui. Donc vous imaginez bien que level 15, niveau régène, pareil, c'est suffisant. Surtout avec un stuff bien plus élevé, vous allez arriver à environ 1000-1200 de vie. Voilà, très large. Alors, niveau 6. Ça va être à moi de faire les dégâts, dans la logique. Alors, vous allez voir, dans la liste, il y a marqué Snowman. Snowman est beaucoup plus pratique. Et Protector aussi est bien, hein, donc c'est à vous de choisir. Question de dégâts après, etc. Ah, donc voilà, c'est vraiment question de choix. On va choisir une petite vitesse de déplacement. Bon. Alors, il est le temps de me tuer. J'espère qu'ils ne vont pas trop rester au même endroit, sinon ça va être galère pour refaire le tour. Allez hop, on est reparti. Donc, le but c'est d'esquiver. Ouais. Ok, bon, encore un coup de trop. Ça arrive, hein. J'ai pas encore l'habitude au Yeti. Bon, j'hésite à faire un tour par le haut, mais vu qu'il a dû y partir, on va faire attention. Et on va essayer d'y aller tout simplement un peu plus doucement. C'est vrai que je tape pas mal dans le tas, là. Vous pouvez faire monstre par monstre, hein, si vous sentez que ça passe pas. Alors, c'est que moi, dans la logique, c'est quand même censé passer. Donc, j'ai... Hop. Allez, vous voyez, je fais quand même pas mal de dégâts. Avec un stuff, je rappelle, assez mauvais. Alors là, c'est à mon pote du coup de contenir le boss. Donc là, ça va être du gel, puisqu'avec Snowman, c'est du gel. Avec Protector aussi, c'est du gel. Donc là, il n'y a pas forcément besoin du stuff Yeti. Et du coup, ça va être... Hop, on se balade un peu. Tout en esquivant, voilà, la glace. Alors, faut faire gaffe quand même à pas sortir de la zone. Sinon, lui aussi va sortir de la zone. Vous voyez, j'essaye de faire attention quand même. Là, il y a un monstre par contre, hop, qui va venir un peu m'embêter. Allez. Pareil, je sais pas si c'est lui du dessus venir. Non, il vient pas. Vous voyez, et c'est même pas moi qui fais le plus de dégâts finalement. Voilà. Alors, level 7. Level 7, Reaper, donc ça vous permet d'une d'aller plus vite et aussi de contenir le boss, mais c'est vrai que du coup, vous prenez quand même les dégâts de gel. Donc du 40 par seconde, ce qui est quand même assez énorme, donc faites attention à éviter de l'équiper en beaucoup de dégâts comme on peut le faire en dragon ou en kraken, puisqu'on peut venir, dès qu'on n'a pas les bâtons, on peut venir chercher à faire plus de dégâts. Là, je vous conseille pas. Je vous conseille de partir plus sur de la régène, si vous avez le choix en tout cas. Alors, je rappelle, je ne peux pas les tuer. Donc là, je laisse faire. Voilà, je vais essayer de refaire un tour. On verra si ça suffit ou non. Si pour lui, c'est bon. Hop, je vais prendre un peu de PV. Des dégâts. Bon, j'aurais pu prendre vitesse d'attaque, hein. Alors, ce monstre-là, je sais qu'il va venir par la suite. Donc autant que je le tue maintenant. Et voilà. Alors à la base, voilà, faut le contenir et vous restez tout simplement sur le boss comme ça. Et vous recevez pas beaucoup de dégâts à la base. N'oubliez pas d'être assez loin quand même et de bien mettre le grapp. Donc c'est votre pote hein, qui reste comme ça. Je vous ai montré là que j'étais collé au truc, mais c'est pas moi, c'est vraiment votre pote qui doit rester collé. Hop, ancien one. Donc ancien one qui est vraiment terrible, hein. Pour du Yeti, voilà, juste il faut de la vitesse de déplacement. Alors, je viens essayer de faire un peu de niveau à mon pote, voilà, histoire qu'il puisse peut-être essayer de tuer du monde. Évidemment, avec Reaper, c'est compliqué, hein. Allez, hop, on lui tue un peu de monstre. Vous pouvez aussi continuer tout le long et le rejoindre, mais là, c'est que du coup, vu que je sais qu'il va me rejoindre moi. Voilà, j'essaye de gérer mes monstres de mon côté, et dès que lui il arrivera, du coup, je pourrai l'aider sans souci. Alors, ok,
J'allais dire, il n'y a personne, mais si, si, quand même, il y en a eu quand même quelques-uns. Alors, là, pareil, donc c'est 107 mois qui restent du coup collés au boss. Là, je rappelle, il y a du gel, donc il n'y a pas besoin. On va aller beaucoup plus vite. Là, les temps de tentacules, ça va envoyer du lourd, je pense. Donc, une petite distance est pas utile, sauf pour. Sauf si vous êtes en Yeti. Voilà, ça permet d'être assez loin du boss sans forcément prendre beaucoup de dégâts et d'esquiver en fait plus facilement le gel. Voilà, il prend quand même pas mal cher, donc on regarde les compétences. On n'a pas eu non plus le meilleur choix du monde, pas eu le choix le plus nul non plus. Vous voyez, je prends quand même 31 du boss, hein. Alors, le 9. Le 9. Ah, je suis censé prendre Snowman, du coup qu'a le gel, etc. Pour la vidéo, je vais prendre Protector. Question de pratique, j'ai un level un peu plus intéressant. Mais voilà, Snowman est top. Juste du coup avec Ricochet et Gel, c'est vraiment topissime pour tout simplement farmer les monstres, puisque là, vous voyez, ça les gèle pas assez. Donc c'est pour ça aussi qu'il est censé être plus pratique. Moi, je sais que par la longue, ça va être un peu mieux pour moi. Alors, il a déjà commencé à farmer le boss. Bon, il faut pas hein, dans la base. C'est juste que là, il y a grave moyen avec le poison. Donc, je vais essayer de venir l'aider sans mourir. Ok, bon. Alors, il faut éviter d'y aller aussitôt, hein, je rappelle. Alors, hop, on va essayer de remonter. Ok. Un peu d'inattention de mon côté. Ah, vous voyez, du coup, là, j'ai tout le monde qui vient sur moi. J'ai pris des dégâts de je ne sais où d'ailleurs. Bon. Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à contenir le boss? Est-ce qu'il veut bien sortir de son trou? Alors, il a l'air un peu buggé là. Voyez, il veut pas sortir de son emplacement, c'est assez bizarre. Alors, ouais, il y a eu un petit bug, je pense. Je vais essayer de venir l'aider assez rapidement. Ah, vous voyez, mon gel du coup est pas très efficace. Essayez vraiment de le contenir au maximum. Donc, avec Snowman, ce sera beaucoup plus facile. Hein, si vous lui mettez tout simplement un gel de 6 secondes, 6 secondes ça vous donne large pour avoir le temps d'esquiver d'une la glace et tout le reste. Hein, là, c'est vraiment l'histoire d'infliger un peu plus de dégâts parce que du coup, Snowman n'est pas non plus. Le meilleur pour infliger des dégâts. Et enfin, le dernier niveau. Alors, hop, on va respecter, on va prendre Ninja. Alors, vous pouvez prendre Fantôme, hein. Fantôme est pas mal pour farmer. De mon côté, ça va être plus simple si je prends Ninja. Si je commence à vraiment jamais respecter la liste, vous allez croire que mes listes ne marchent pas. Alors. Hop, il n'y a pas besoin pardon, de beaucoup de niveaux. Alors, je vais prendre vitesse d'attaque parce que déjà que j'ai pas beaucoup de vie. Donc pour farmer les monstres, c'est pas non plus le plus pratique. Voilà, on va farmer un après un. Hop, une belle distance qui devrait être suffisante. Alors, j'essaye d'aider mon pote, voilà. Et du coup, on va faire comme tout à l'heure en 4. On va venir. Alors, ouais. Cherche le bon angle. Et là, on devrait lui faire tout simplement assez de dégâts. Au bout d'un moment, hein, faut attendre quand même quelques secondes pour qu'il meure quasiment instantanément. Vous voyez, ça commence à venir. On commence à lui faire assez de dégâts pour que même dans sa zone de soins, il descende quand même.
Donc, encore quelques secondes. Vous voyez, ça commence à être de plus en plus fort, comme on peut le voir au niveau de sa barre de vie. On arrive à des pourcentages assez amusants. Allez, encore un peu. Voilà, on va arriver à plus de 400%, 500% même. Voilà. Donc, bon là, du coup, vous pouvez choisir n'importe qui, ça changera rien. Et on quitte, voilà. Donc, petit niveau 10, en 17 minutes. Donc, ici, nous, on va choisir du nécro. En 17 minutes, avec du double kraken, vous mettrez plus. 25 minutes environ, donc c'est pas non plus tant de plus que ça. Ça représente quand même 580 trophées. Donc voilà, j'espère avoir donné toutes les petites astuces. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter la vidéo, etc. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.